Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace, dans laquelle on va donc commencer à pratiquer le produit scalaire. Donc ça va être un premier exemple assez détaillé du coup de comment on peut partir cette fois-ci d'un problème purement géométrique, sans coordonnées, et que grâce au produit scalaire et à son usage intelligent, on a la possibilité de déterminer la valeur d'un angle. Donc commençons sans plus tarder par la lecture de ce problème. On a donc un cube de côté 1 et de centre O. D'accord, qui est représenté ici dans la figure. Donc, vous voyez très bien quel va être l'angle auquel on va s'intéresser. Et d'ailleurs, c'est la seule question, c'est justement d'en calculer une valeur approchée au degré près. Et donc, c'est BOC qui nous intéresse. Alors, je me permets du coup de commencer à tracer les deux vecteurs qui vont être du coup notre objectif. Parce que si je veux déterminer quel est l'angle alpha, eh bien, ça va être pour moi intéressant de me poser la question de déterminer quel est l'angle entre le vecteur rouge que je vais appeler dorénavant le vecteur U, donc c'est le vecteur OB, je vais me le marquer juste ici, donc U ça va être le vecteur OB, et ensuite je vais avoir le vecteur bleu qui va être pour moi du coup le vecteur V que j'appellerai du coup OC. Alors, grâce du coup à ces deux vecteurs-là, je vois très clairement que l'angle alpha, c'est l'angle du coup entre U et V. Et ce que je veux exploiter ici, c'est cette formule que nous avons vue lors du premier cours sur le produit scalaire, c'est-à-dire celle qui me dit que le produit scalaire U fois V, donc U scalaire V, on le lit plutôt comme ça, il est égal à quoi? Eh bien, il est égal à la norme de U fois donc ce produit-là, c'est le produit normal, hein, donc on va l'indiquer plutôt comme ça. La norme de V fois le cosinus, donc de l'angle formé par les deux vecteurs. Donc c'est cette formule-là que je veux exploiter. Et donc en particulier, en fait, ce que je veux faire, c'est que comme c'est le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs qui m'intéresse, je vais plutôt la réécrire donc en explicitant ce dernier. Et donc ça va me donner cosinus de U, V, eh bien, ça sera égal du coup au produit donc scalaire entre U et V divisé par la norme de U multipliée fois la norme de V. Donc ça va être plutôt cette deuxième expression-là que je veux préférer à la première, mais voilà, la formule en général à laquelle on fait toujours référence, c'est celle-ci quand même. Voilà, cela dit, mettons-nous au travail. Alors, comment je vais pouvoir faire pour travailler avec les vecteurs? Eh bien, j'ai besoin de coordonnées. Donc, je vais choisir moi-même de créer donc un système de coordonnées. Alors, sachez que ça va marcher dans tous les possibles systèmes qu'on peut penser de placer sur ce cube. Mais moi, je vais du coup utiliser le repère orthonormé, défini du coup par, alors il faut toujours un point d'origine, alors moi je vais choisir le point A, et ensuite je vais choisir du coup trois vecteurs qui vont être les trois vecteurs qui correspondent aux trois coordonnées, et donc je vais sélectionner comme premier vecteur le vecteur AB, ensuite je vais sélectionner comme deuxième vecteur le vecteur AD, et comme troisième vecteur le vecteur AE, celui qui me donne donc la coordonnée verticale. D'accord? Alors, juste pour que ce soit clair, hein, ici, du coup, mon repère, il était formé avec ce vecteur-là, celui-là et celui-là. Et donc, mes coordonnées sont la coordonnée X, elle est ici, la coordonnée Y, elle est là, et la coordonnée Z, elle est là, parce que c'est ça l'ordre que j'ai choisi pour mes coordonnées. Voilà. Donc, hein, selon ce repère orthonormé que j'ai choisi, encore une fois, tous les autres repères étaient aussi valables, hein, ce n'était pas un choix obligatoire. Eh bien, j'ai du coup besoin de déduire quelles sont les coordonnées de trois points. Ah bah, c'est tout ce dont j'ai besoin. En fait, j'ai besoin du coup des coordonnées du point O, du point B et du point C. D'accord? Et comme ça, je pourrais du coup déduire quelles sont les coordonnées des vecteurs OB et OC qui sont ceux qui m'intéressent, comme on l'a vu juste là. Très bien. Donc, déterminons quelles sont ces coordonnées. Alors déjà, le point B, cela me paraît plutôt simple. En fait, pour l'atteindre, il faut que je fasse, que je prenne une seule fois le vecteur AB, puis aucune fois le vecteur AD et aucune fois le vecteur AE, donc c'est 1, 0, 0.
Pour le point C, j'ai du coup que je vais parcourir une fois le vecteur AB, une fois le vecteur AD et aucune fois le vecteur AE. Et enfin, il me reste le point O, donc le centre. Alors ici, on exploite le fait que c'est le centre. Et donc, peut-être que ça va vous aider en fait de voir quel est, par exemple, son ombre sur le côté, sur la face, pardon, ABCD. Effectivement, son ombre tombe précisément au centre. Et donc ici, vous voyez assez clairement que vous voyez, ces coordonnées, en fait, c'est la moitié de chacun des vecteurs de mon repère orthonormé. Effectivement, je fais un demi-pas dans la direction AB, un demi-pas dans la direction AD pour l'atteindre, et un demi-pas dans la direction verticale. Et donc, c'est logique que ce soit un demi, un demi, un demi, ces trois coordonnées. Très bien, donc maintenant, je peux passer à écrire quelles sont les coordonnées des deux vecteurs OB et OC. Alors, calculons d'abord OB. Je me mets là, comme ça je vois très clairement quelles sont les coordonnées dont je pars. Donc, OB. Alors, je vous rappelle du coup que si je veux calculer les coordonnées d'un vecteur, alors il faut toujours commencer par écrire à la verticale. Donc ici, je me mets juste les deux espaces. Il va juste falloir que j'écrive à la verticale, du coup, les coordonnées des deux points. Et au milieu, je peux mettre que des soustractions. Ça, c'est une manière très simple de s'en souvenir. Et du coup, les coordonnées vont être, par contre, dans l'ordre inverse. Donc, je vais mettre d'abord les coordonnées du point B et ensuite celles du point O. Alors, le point B, il a comme coordonnées 1, 0, 0. Donc, je les écris à la verticale. Et le point O, il a comme coordonnées 0,5, 0,5 et 0,5. Et donc, j'en déduis que le vecteur OB, il est absolument égal à 0,5. Moins 0,5 et moins 0,5 également. De la même façon, je me débrouille pour obtenir le vecteur OC. Alors du coup, ça va être ici le coordonnées du point C, ici les coordonnées du point O, exactement avec la même méthode. Je me refais encore une fois les espaces pour savoir où placer du coup les valeurs numériques. Et ici, j'ai trois soustractions à faire. Et donc, les coordonnées du point C, cette fois-ci, c'est 1, 1, 0. Et pour le point O, c'est la même chose. Donc, 0,5, 0,5 et 0,5. Et je trouve donc comme coordonnées de ce deuxième vecteur 0,5, 0,5 et moins 0,5. Voici donc mes deux vecteurs. Alors, maintenant que je les ai déterminés, il va falloir que je calcule pour trouver ce fameux cosinus trois nouvelles valeurs. J'ai besoin en effet de la norme de U, autrement dit la norme de OB. J'ai besoin de calculer la norme de V, autrement dit la norme de OC. Et ensuite, j'ai besoin de calculer la valeur du produit scalaire U scalaire V, du coup, autrement dit, le produit scalaire entre OB et OC. Alors, ces trois calculs sont assez simples, on va les faire tout de suite. Alors, la norme de OB, du coup, elle sera égale à la racine carrée des trois coordonnées additionnées au carré. Donc, 0,5 première coordonnée au carré, plus moins 0,5 au carré, plus encore moins 0,5 au carré. Voilà, si je fais ça, du coup, c'est peut-être plus simple de l'écrire avec les demi. Vous savez que 1 demi au carré, ça donne 1 quart. Donc ici, vous avez 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Et donc ça vous fait la racine carrée de 3 quarts. Autrement dit, racine de 3 sur 2. Voilà donc pour la valeur de la norme de OB. Maintenant, on fait la même chose avec OC. Donc c'est la racine carrée de... Cette fois-ci, je me l'écris directement avec les demi. Donc, c'est 1 demi au carré plus 1 demi au carré plus moins 1 demi au carré. Mais bon, comme il y a les carrés, le moins, on les voit toujours pas. Et donc, ici, j'écris 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Vous voyez, c'est le même résultat que avant. Donc, j'écris directement racine de 3 sur 2. Et maintenant, j'effectue le produit scalaire. Alors, le produit scalaire, c'est donc le produit scalaire entre ces deux vecteurs-là. Laissez-moi juste les écrire de façon explicite, encore une fois. Alors, le premier vecteur, on a dit que c'était
0,5 moins 0,5 moins 0,5 et le deuxième c'était 0,5, 0,5 et moins 0,5. Donc quand j'effectue le produit coordonnée par coordonnée, je vous le rappelle, donc c'est ça le produit scalaire. Alors c'est-à-dire que je fais cette coordonnée avec fois cette coordonnée. Ensuite, je vais faire cette coordonnée fois cette coordonnée et je vais enfin l'additionner au produit entre cette coordonnée et cette coordonnée. D'accord? Donc, je me retrouve à faire 0,5 fois 0,5 plus moins 0,5 fois 0,5 plus moins 0,5 fois moins 0,5. Et du coup, ici, le calcul, ça va me donner quoi comme résultat? Eh bien, je vais trouver 0,5 fois 0,5, ça fait du coup 0,25. Ici, j'ai plus, mais du coup, c'est moins fois plus, donc ça va donner moins 0,25 également, parce que c'est toujours 0,5 fois 0,5. Et enfin, c'est plus, et moins fois moins, ça fait plus, donc cela reste un signe positif. 0,5 fois 0,5, donc ça fait 0,25. Donc finalement, tout ce que j'obtiens, c'est 0,25. Autrement dit, un quart. Je vais laisser un quart pour simplicité. Très bien. Maintenant, je peux enfin conclure, c'est-à-dire utiliser la formule que j'avais écrite tout au départ, donc au début, cette formule-là. Donc le cosinus, ce sera égal du coup à la valeur du produit scalaire, donc c'est ça le numérateur, divisé par le produit des deux normes. Autrement dit, le cosinus de l'angle qui m'intéresse, donc c'était l'angle alpha, il va être égal à la valeur du produit scalaire, donc c'est un quart, divisé par le produit des deux normes, donc c'est deux fois, donc c'est le produit de racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2, donc je répète deux fois la valeur racine de 3 sur 2, et donc ici je dois juste effectuer des calculs pour me simplifier un peu cette expression, ça va pas être compliqué. Je trouve, du coup, 1 sur 4, je le laisse pareil, et ensuite j'ai racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc j'ai 1 sur 4 divisé par 3 sur 4, ça c'est égal à 1 sur 4 fois l'inverse du dénominateur, donc 4 sur 3, et donc je simplifie les 4, et tout ce que je trouve c'est 1 tiers. Alors une fois que vous arrivez là, vous pouvez aisément du coup affirmer que le cosinus de alpha doit être égal à 1 tiers, vous voyez c'est une valeur relativement simple, mais ce n'est pas une valeur remarquable du sinus et cosinus, donc il va falloir que vous utilisiez la calculatrice pour déterminer quelle est la valeur de alpha. Et donc ce que vous pouvez écrire à la calculatrice c'est arc cosinus de 1 tiers, et c'est ça qui va vous donner la valeur de alpha. Donc on va l'approcher à l'aide de la calculatrice, et donc on va effectuer le calcul à la calculatrice, et je vous donnerai tout de suite le résultat. Donc 70,528, disons 529 en arrondissant. Alors ici, on nous demandait d'arrondir au degré le plus proche. Alors visiblement ici, le degré le plus proche, c'est 71 degrés. Donc ici, on va juste écrire que ça, c'est un résultat approché quand même. Et donc, on trouve 71 degrés. Alors, est-ce que cette valeur-là, elle est cohérente? Effectivement, si on prend la figure géométrique donc initiale du départ, on voit très clairement que cet angle-là, il nous fait penser un peu à une dimension similaire à celui d'un angle, d'un triangle équilatéral qui est donc de 60 degrés. Là, c'est un peu plus, mais donc c'est assez cohérent. Donc voilà comment on peut trouver l'angle, voilà, à partir de absolument rien. Vous voyez, il ne nous avait pas donné de coordonnées, rien du tout, mais on a quand même pu trouver quel était cet angle-là. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez voulu y porter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.